بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد خاتم الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان يعني ولم يكن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام يعني خواص أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين يعني بكثرة الصوم والصلاة بل يعني ببر القلوب وطهاراتها وسلاماتها وقوة تعلقها بالله سبحانه وتعالى خشية لهم ومحبة ومحبة وإجلالا وتعظيما له كما ذكر ذلك الحكماء. Vous savez mes frères, ce qui nous est rapporté c'est que le prophète عليه الصلاة والسلام il ne faisait pas particulièrement beaucoup de, on va dire, il ne mettait pas particulièrement en avant le fait de faire beaucoup avec ses compagnons des actes surérogatoires en termes de prière et de jeûne, que c'était vraiment quelque chose qu'il renforçait auprès d'eux particulièrement. Au contraire, ce qu'il est connu du prophète عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين يعني بطلبة الإسلام par rapport à l'éducation qu'il enseignait à ses compagnons, c'était quoi? C'était la piété du cœur avant tout. ببر يعني القلوب. Le fait que le cœur soit pur. وطهاراتها وسلاماتها وقوة تعلقها بالله سبحانه وتعالى. L'objectif du prophète عليه الصلاة والسلام avant toute chose, c'était pas simplement que toi tu fasses beaucoup de prières, tu jeûnes beaucoup, tu fais beaucoup de choses comme cela avec ses compagnons. Non, ce qu'il essayait de faire en priorité, ce qu'il essayait de mettre en avant, eh bien c'était qu'il purifie leur cœur. Qu'il fasse que leur cœur devienne pur, que leur cœur soit donc touché de piété, notamment qu'ils aient la force dans leur cœur de quoi ? D'être connecté avec Allah Jalla fi'ala. Walimada, pourquoi cela à votre avis ? Parce qu'en fait si tu fais tes prières, tu jeûnes, salli wa tsoum, wa tasaddaq kabal kama an-nas, tu donnes tes aumônes et autres avec les gens, tu pries, tu jeûnes, tout cela, c'est bien. Mais si ton cœur il n'est pas pur, si tu n'as pas la piété dans ton cœur, si tu n'as pas la connexion avec Allah Jalla fi'ala, eh bien tes œuvres, tes actes, ils peuvent être déficients. Ils vont peut-être être affectés par des choses mauvaises. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, fait Mecca à la Mecque. Il a passé 13 années à appeler ses compagnons à quoi ? À l'unicité d'Allah Jalla fi'ala, à purifier leur cœur, à ce qu'ils puissent sortir de leur cœur tout ce qui est en dehors d'Allah Jalla fi'ala. Donc, qu'est-ce qu'il faisait ? Il les éduquait à l'amour d'Allah Jalla fi'ala. Il les éduquait à, tu vois, à honorer, à adorer, à se consacrer à Allah Azza wa Jal avant toute chose. Parce que lorsque dans ton cœur tu as al-taqwa, tu as al-quwa, la force, que tu as le cœur qui est pur, al-qalb salim, tu vois, et bien c'est même ce cœur-là qui a une grande importance عند الله جل في علا يوم القيامة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الذي يخشون ربهم بالغيب وجاء بقلب منيب. Tu vois, Allah Jalla fi'ala, il te mentionne à chaque fois une particularité. Le jour où il n'y aura ni donc, d'utilité auprès des enfants et des biens, en dehors de celui qui vient avec un cœur pur. Certes, ceux qui craignent leur Seigneur alors qu'ils ne le voient pas, mais qui viennent à lui avec un cœur repenti. Tu vois, Allah Jalla fi'ala, il donne de l'importance à quoi ? Au cœur. Parce qu'en fait, si ton cœur il n'est pas pur, tu peux faire des prières. Tu peux jeûner, tu peux faire tout cela, mais ça va être détérioré. À cause de quoi ? Ta connexion avec Allah Jalla fi'ala qui n'est pas bonne. Tu vois ? Et c'est comme cela qu'il est important et de comprendre que le prophète alayhi salatu wasalam, avec ses compagnons, c'était cela qu'il mettait en avant. Rahbatan fima 'inda Allah Jalla fi'ala, zuhdan fima yafna. Il essayait de faire comprendre aux compagnons le fait que eh bien, ils aient envie et qu'ils soient motivés de vouloir se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Il y a des gens aujourd'hui, wa kathir minan nas, il n'y a pas de problème, les gens ils viennent à la mosquée. Alhamdulillah, ils salouent, yani les salawat al-khams, al-fara'id, leurs prières de tous les jours, tout cela, ils le font. Mais le problème, al-qulub, les cœurs, ils sont touchés par quoi ? Al-ghash, al-hasad, tu vois ? La jalousie, la haine, al-bughd, yani comment ? Toutes ces choses-là négatives qui viennent détériorer ta foi, qui viennent te causer du tort dans ton adoration d'Allah Jalla fi'ala. Pourquoi cela ? Parce que ton cœur, il n'est pas arrivé à ce principe de purification, de connexion avec Allah Jalla fi'ala. Wa quwwa kadhalik ta'allaq billah Jalla fi'ala, que tu puisses avoir la force de te connecter avec Allah Azza wa Jalla. Et c'est comme cela que, regardez bien, lorsque tu réfléchis à cela, que tu réfléchis à la situation, tu comprends que même le prophète
عليه الصلاة والسلام قد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس لا تتفضل يعني بحسن المظاهر، إنما تتفضل يعني بطهارة القلوب وبتزكية النفوس وبالخشية من الله سبحانه وتعالى والسعي في الأعمال الصالحة. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Quand tu regardes les enseignements du prophète, tu verras, alayhi salatu wasalam, qu'il n'a jamais mis en avant ce qui pouvait t'élever auprès d'Allah, jalla fi'ala, ce qui pouvait t'apporter beaucoup d'élévation. Eh bien, c'était le fait de tes apparences, le fait d'être fort extérieurement, le fait de paraître pieux, le fait de faire que des œuvres extérieures comme cela, qu'on voit de toi extérieurement. Jamais il s'est consacré à cela. Au contraire, il a rappelé que ce qui élevait la personne, ce qui permet que la personne elle se rapproche d'Allah jalla fi'ala, quelle est la cause? Eh bien, il montrait que c'était la piété du cœur, la purification de l'âme. Le fait que la personne, elle ait envie de se rapprocher d'Allah azza wa jalla, qu'elle œuvre à vouloir faire des bonnes œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cela. يعني إنما الأعمال لا تتفضل بالكثرة إنما الأعمال تتفضل من يحصل في القلوب حال العمل. La preuve en est quoi? إنما الأعمال يعني إنما الأعمال بالنيات, parce que les actions ne valent que par leurs intentions. Donc qu'est-ce que tu conçois? Imaginons tu fais plein d'œuvres, tu fais des prières, tu jeûnes, tu lis le Coran, ولكن ton cœur il est pas connecté avec Allah جل في علاه. Tu n'as pas, tu sais, التوحيد يعني في قلبي, l'unicité d'Allah جل في علاه dans ton cœur. Le fait que tu adores ta'bud Allah jalla fi'ala wahda dun ma siwa, que tu adores Allah azza wa jalla seul, c'est-à-dire que tu n'aimes pas l'argent au point que cela va t'empêcher de dormir la nuit, tu aimes être dunya au point que tu veux devenir le plus riche, le plus fort, tout cela tu le délaisses. Et le prophète alayhi salatu wasalam, il a éduqué ses compagnons à quoi? À s'éloigner de tout ce qui n'avait pas d'utilité. Voilà la différence entre les compagnons. Et comment est-ce que nous sommes par rapport à cela? Comment est-ce que nous, on néglige cela? Al-istighal, ibadallah, al-istighal, yani, bil-istikthar, min as-sawmi wa as-salah, yani, le fait de t'occuper à faire beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, mais que tu n'as pas la purification du cœur, ce n'est pas la meilleure chose. Yani, al-afadal, ibadallah, al-istighal, bi-taharat al-qulub, wa bi-taskat al-nufus, le fait que tu t'occupes à purifier le cœur, que tu t'occupes à purifier ton âme, à te purifier toi, eh bien tu verras que c'est ce qui constitue la meilleure chose. Min afdal kadalik, min afdal al-a'mal khashyat Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan. C'est pour cela qu'on te dit que là, l'une des meilleures actions, c'est laquelle? L'une des meilleures œuvres, c'est le fait et bien que tu craignes Allah jalla fi'ala en public comme en privé, parce que cela démontre la force spirituelle que tu as dans ton cœur. Pourquoi est-ce que les compagnons pendant 13 années à la Mecque, pendant 13 années ils n'étaient pas au fait de vouloir faire des prières toute la journée, toute la nuit, lire le Coran sans cesse? Non, ils étaient dans une compréhension de l'adoration d'Allah jalla fi'ala seul par rapport à l'éducation prophétique. Et ensuite, les règles, vous savez, les règles qui sont liées au hakam, toutes les obligations et autres, elles sont venues lorsque le prophète alayhi salatu wasalam avait fait la hijra à Médine. Mais à la base, toute la première décennie, elle était consacrée à quoi? Elle était consacrée à cette purification, à cette adoration du cœur, au fait de te rapprocher d'Allah jalla fi'ala par la piété, que ton cœur y craigne Allah jalla fi'ala. Tu vois, que tu sois de ceux dont le cœur est pur. Inna Allah ma'allabina taqaw ma'allabinahum muhsinan. Parce qu'Allah jalla fi'ala, il est avec qui? Il est avec ceux qui font preuve de piété. Il est avec ceux qui font preuve de bienfaisance. Même Allah jalla fi'ala, dans le Coran, dans le premier verset de Surat al-Baqarah, entre autres, qu'est-ce qu'il te rappelle? Dhalika al-kitabu la rayba fihi huda lil-muttaqin. C'est un guide pour qui? C'est un livre sur lequel il n'y a aucune ambiguïté, aucune tortuosité. Mais en plus de cela, il est un guide pour les pieux. Il est un guide pour ceux qui ont quoi? Qui ont une piété du cœur. Dont le cœur, il est touché de cette purification, de cette adoration d'Allah jalla fi'ala. Intérieurement, extérieurement. Regardez même ce verset. Vous savez, quand Allah jalla fi'ala nous rappelle le Coran, وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَمَا بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ. Comme quoi, eh bien, nous allons, entre guillemets, les empêcher
qu'ils atteignent ce qu'ils souhaitent, qu'ils atteignent leur objectif. Eh bien, le ulama, qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à l'ulama de tafsir? Ils te disent « يعني أنهم يشتهوا كذلك توبة ساعة الرحيل » C'est-à-dire que le fait qu'Allah Jalla fi'ala des fois, eh bien, il voit que le cœur de la personne ne cherche pas à se purifier, que le cœur n'essaye pas de s'élever, tu te rabaisses comme cela auprès d'Allah Jalla fi'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éloigne de la vérité. Il t'éloigne de sa miséricorde. Au point que, finalement, dans les derniers moments, il ne te permet pas de te repentir. Il ne te permet pas de quoi ? De te repentir. Donc cela veut dire de ce qu'ils n'ont pas atteint. C'est cela qu'Allah Jalla fi'ala te laisse entendre dans le verset. Ils n'auront pas atteint la finalité. Quelle est cette finalité qu'Allah Jalla fi'ala peut t'empêcher d'atteindre ? Eh bien, c'est la finalité du repentir. Que tu puisses te repentir qabla al-maut, juste avant la mort. Au point même que Al-Hassan radhiallahu anhu, un des pieux, qu'est-ce qu'il disait ? Ittaqilla ya ibn Adam wa la yajma'u 'alayka khuslatan. Sakrat al-maut wa hasrat al-faut. Il te disait, ô toi fils d'Adam, crains Allah. Ô toi fils d'Adam, crains Allah. Et ne réunis pas en toi deux caractéristiques. Qu'est-elles ? La première, les affres de la mort avec les regrets de ne pas avoir fait. Tu vois ? Les affres de la mort et les regrets de ne pas avoir fait. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le fait que toi, toute ta vie, tu as laissé aller les choses. Tu n'as pas, tu ne t'es pas soucié, tu as vécu comme tu voulais. Et juste au moment où tu es dans les affres de la mort, qui en général, le repentir n'est plus. Donc à ce moment-là, le repentir n'est plus accepté de ta part. Lorsque tu es dans Sakrat al-Maut, le fait où ton âme va bientôt quitter ton corps, quitter ton âme, va quitter comme cela, eh bien, va donc te retirer la vie, eh bien à ce moment-là, le repentir il ne t'est plus accordé juste à ce moment-là. Quand tu n'as plus pratiquement la capacité de réagir. Et donc, quand tu es arrivé à ce moment-là, eh bien, il n'y a plus de retour possible. Et donc, cela veut dire quoi ? Si tu arrives à ce moment-là, mais qu'en plus de cela, tu as le regret de ne pas avoir fait ce que tu pouvais faire et que tu as délaissé, eh bien, c'est les deux pires caractéristiques que l'être humain peut réunir. C'est-à-dire les affres de la mort au moment où il ne peut plus revenir en arrière, et le regret de ne pas avoir réalisé ce qu'il pouvait réaliser. C'est comme ça, Ibn Allah, que certains des Bayn al-Hukama, certains sages te disaient quoi ? Kan mimma raha fi talab ad-dunya aw ghada asbah yani min sukkan al-qubur ghada. Combien de personnes avaient calculé le lendemain d'aller faire des affaires mondaines, c'est-à-dire que tu as des programmes dans ta vie. Tu as des objectifs, tu te dis, ouais, demain, je vais faire ceci, je vais me lever, je vais faire cela et tout. D'accord ? Tu calcules des choses. Et finalement, le matin, c'est une métaphore, hein, le matin, au lieu de te réveiller pour aller faire ce que tu avais prévu, tu te retrouves à te réveiller parmi les habitants des tombes. Et cela, tu ne le savais pas avant. Et combien de personnes, tu as entendu des gens comme cela, où tu entends te dire, cette personne, je l'ai vue encore hier. Je l'ai vu hier, je l'ai croisé hier. Quand je pense qu'hier, j'étais encore avec elle. Et puis après, tu apprends que le lendemain, elle a quitté ce bas monde, comme cela, de manière inattendue, bakhta, inattendue, soudaine, cette disparition. C'est des choses qui arrivent très courant, très couramment. Et cela, c'est le pire. Comme aussi te disait Ibn Jawzi, rahmatullah, qu'est-ce qu'il te disait ? Al-hadar, yafal hadar al-hadar, qadara ayna, man kana ala sanani as-sawab. Il disait, prends garde à combien de personnes nous avons pu voir qui avaient passé des années dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ala et juste arrivé au bord de la tombe, il trébuche. Qu'est-ce que veut dire le fait que, eh bien, quand il arrive au bord de la tombe, il trébuche ? Cela veut dire qu'il est arrivé à la fin de sa vie. Il a accompli ce qu'il a accompli et au moment où il devait rentrer dans sa tombe, à ce moment-là, il flanche. Il était dans l'adoration, par exemple, et il se détourne. Ou bien il était dans le fait de prier et puis juste avant, il arrête. Ou des choses comme cela. Donc ce qui veut dire qu'il part à ce moment-là différemment de ce qu'il était juste avant. Et cela pour dire quoi ? Combien de personnes tu as vues ? Et toi-même, des fois, tu en as entendu comme cela des personnes que tu connaissais. C'est vrai, cette personne, je l'ai connue.
Elle faisait ceci, elle faisait cela. Et du jour au lendemain, elle a arrêté. Cette personne, je la voyais tout le temps en fréquentant la mosquée. Et du jour au lendemain, elle ne vient plus. Des choses comme cela. Et des fois même, à la fin de sa vie, donc cela, ibad Allah, ça doit nous rappeler quoi ? Le fait que l'adorateur d'Allah, Jalla fi'ullah, il ne doit jamais négliger les bonnes œuvres. Jamais négliger une action que tu peux faire. Comme on te disait, fayan bari l'aql an la yahtaqira shay'an min a'mal al-birr fa rubbama ghufira lahu bi aqallaha. Ne néglige, celui qui est intelligent, celui qui réfléchit, ne négligera jamais aucune bonne œuvre, minime soit-elle, il ne va pas la négliger. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il se peut que tu sois pardonné par Allah Jalla fi'ullah, yani bi aqallaha, par la plus petite d'entre elles, la plus petite de tes œuvres. Peut-être c'est celle-ci qui va te pardonner auprès d'Allah Jalla fi'ullah. Et toi, tu ne le sais pas. Des fois, toi, tu fais des grandes œuvres, tu as fait des grandes actions, et peut-être ce n'est pas celle-ci qui va te faire, hein, qui va te faire que tu vas être pardonné. Peut-être c'est une action comme cela, auquel que tu as, même toi-même, tu l'as oublié cette action. Mais pourtant, tu étais sincère. Toi, tu étais sincère, dévoué au moment où tu l'as faite. Et Allah Jalla fi'ullah, il te l'a compté comme étant celle qui va te préserver, celle qui va te protéger. Tu vois ? Et c'est comme ça, ibadallah, que tu dois te rappeler que parmi les choses nécessaires et prioritaires de l'adorateur d'Allah Jalla fi'ullah fi hayati, dans sa vie, c'est de travailler sur son cœur, de purifier, comme le prophète alayhi salatu wassalam a consacré avant tout, non pas un nombre important d'enseignements dans le fait de beaucoup jeûner, beaucoup prier, beaucoup donner, des choses comme cela, qui sont des bonnes choses, qui sont des bonnes actions, mais avant tout, c'était avant tout de purifier le cœur. Tu vois, de rendre le cœur plus fort dans l'amour d'Allah Jalla fi'ula, fi mahabbatillahi azza wa jal, wa fi khashyatillah subhanahu wa ta'ala, dans l'amour d'Allah, dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ijlalan wa ta'dhiman lahu, dans le fait, eh bien, de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, d'élever et d'exalter Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Cela, vraiment, c'est ce qui va être le plus bénéfique pour toi, parce que grâce à ta piété du cœur, après le reste va suivre. Le reste va suivre naturellement parce que ton cœur, il est le canal principal. Il est le vecteur principal qui va animer, tu vois, le reste après de tes adorations. Wallahu a'lam.